Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Coucou les scintillants, on est le 16 février, il est 16h et aujourd'hui je réponds à la question du Diamond Painting Squad Quiz de la semaine qui a été posée cette semaine par Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Je vous mets le lien vers la vidéo juste ici en haut à droite de l'écran. Je ne l'aurai pas. Ici. Juste ici en haut à droite de l'écran. Donc la question cette semaine était... comment est-ce que tu choisis ta prochaine toile à faire de Diamond Painting? Je vous dirais que moi, quand j'ai commencé en 2018, j'en avais pas beaucoup, fait que c'était facile à faire, à choisir. Mais plus que j'en avais, plus que je savais pas laquelle faire ensuite. Donc, ce que je faisais, c'est que j'appigeais au hasard. J'en prenais une qui me tentait dans mon bac, puis dans ma boîte en fait, et puis je la faisais. Après ça, j'avais pas envie de laisser des toiles que j'avais pas que j'avais plus le goût de les faire, mais que tu sais, je les achetais sur des coups de cœur, puis après ça, ben les coups de cœur s'estompaient. Fait que je voulais pas en laisser de côté nécessairement. Fait que j'ai commencé à demander à mes amis, à ma mère, de choisir pour moi. Donc je leur envoyais une photo de ma boîte, de toutes les toiles que j'avais, puis je disais pige-en une. Fait que c'est mes amis puis ma mère qui choisissaient mes toiles à faire en pigeant la boîte ou la toile qui leur tentait là, dans ma boîte. Et puis dernièrement, je vous dirais que ces temps-ci, oui, bravo Sandra, ces temps-ci, je choisis mes toiles en fonction des concours, des défis que je fais là, sur les groupes Facebook. C'est plus facile quand, ben pour les choisir, je veux dire, c'est plus facile quand c'est des mois qui sont attitrés aux toiles, comme par exemple sur le groupe de Jackie, le Diamond Painting, et le groupe de Ophélie, Diamant Painting en folie. Ben eux, ils ont un thème par mois, tu sais. Fait que je choisis mes toiles en fonction des thèmes. Et puis quand c'est des thèmes sur toute l'année, ben là... je choisis quand même les thèmes selon... ben, j'essaie de les associer au mois, là, tu sais, mettons que le thème, c'est genre amour, ben, je vais m'arranger pour les faire pour la Saint-Valentin, tu sais, pour février. Mais, c'est ça, c'est comme ça que je choisis mes toiles, puis quand que j'aurai plus de défis à faire, ça m'étonnerait que ça arrive, ben, je vais recommencer à demander à mes amis de piger dans ma boîte, là, pour moi. Donc, voilà pour ma petite réponse pour la question du quiz de cette semaine. N'hésitez pas, vous aussi, à répondre à la question dans les commentaires ou sur notre page Facebook. Vous avez le groupe dans la barre de description de la vidéo. Je vais y arriver. Sinon, vous pouvez y répondre aussi sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram... name it, tant que vous utilisez le hashtag Diamond Painting Squad Quiz avec 2 Z pour qu'on puisse bien retrouver votre réponse facilement. Merci encore de nous encourager dans nos folies, dans nos projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Bye bye.